Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter la pelle à neige de chez Demos Collective. C'est une pelle qui a été conçue dans le Wyoming à Jackson Hole. Et on veut vous montrer un petit peu les caractéristiques de cette pelle vraiment fantastique qui est vraiment spécialement conçue pour les shapers, pour ceux qui veulent construire leur propre kick dans le backcountry. Quand il y a trop de neige, on peut dégager facilement et vous allez voir comment. Donc c'est une pelle qui tient complètement dans le sac à dos. Une fois qu'elle est repliée, regardez. Voilà, elle fait seulement 46 cm de large, 20 cm de largeur et en profondeur, on a 6 cm d'efficacité pour vraiment bien pelleter et déblayer la neige. The oversized 18 by 9 inch blade efficiently moves large amounts of snow. And the precision machine teeth along the bottom lip of the shovel breaks up tough terrain and smooths out your inroad. We built this thing with 2.5. Voilà, on a un manche qui est complètement rétractable. On a un manche qui fait 1,36 m de longueur. Regardez, on va le replier en quelques secondes. Voilà. On a 4 sections à replier. Et ensuite, il suffit de passer le manche à travers de la pelle. Et c'est parti, on n'a plus qu'à l'emmener. Ce qu'on voulait vous montrer également, c'est l'épaisseur des matériaux. Ici, on a 2,5 mm d'aluminium qualité aviation. Avec ça, aucun risque, c'est du costaud et vous allez pouvoir pelleter, tasser, ratisser, taper dans la neige durcie. On a toute la bordure est vraiment crénelée et dentée spécialement pour ça. On vous a pas parlé de la solidité du manche. Le manche, ici, je vous l'ai dit, 1,36 m. On a un manche qui est fabriqué avec également de l'aluminium. On a 1,6 mm d'aluminium. La résistance, c'est quoi? La résistance de ce manche, c'est on a 1,7 tonne de résistance en levier. Donc inutile de vous dire qu'avec ça, vous allez pouvoir taper dans la neige et vraiment vous éclater comme jamais. Voilà, bah écoutez, bonne découverte et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.